bagaille. Et c'est ça qui fait que en pile monde ko compte yo au rang des pauvres en pile pays tout. C'est parce que yo pas jamais engagé dans série de combats et c'est des combats collectifs pour réussir. Donc la vie combat en soi n'est pas seulement une vie. Nous pas, alors étude sous combat spirituel là. Oui, comme c'est chrétien, on a parlé de combat spirituel, mais combat en soi son bagage général dans toute bagaille, il faut qu'il y ait bataille qui mène et pour capable remporter victoire, pour gagner un trophée, etc. Maintenant, l'apôtre Paul, de bon côté parlé, dans la Bible, il y a l'autre bagaille, l'a dit. Et la vie de Paul pas facile. Tout le monde qui lit la Bible nous connaît ça. Et Paul te reconnaît que il était livré dans un combat qui est formidable. Et il m'a même dit, plutôt, m'a remplacé cette phrase-là. Yon combat, les livres là en combat avec yon ennemi qui est formidable. Ennemi ça qui nous relève Satan. Et ça qui fait nous dire ennemi ça formidable, son ennemi qui même ose allemand de bon Dieu goumen dans ciel bon Dieu créé. Dans ciel à bon Dieu. L'allemand de bataille là. L'allemand de bataille là pour remplacer bon Dieu. Donc, si on moun ta pense que jeune homme ça a relé Satan, si ce n'est pas Jésus-Christ, bon Dieu voyez, pour porter nos secours en bail, nous avons ouvert quand nous avons passé. Quand nous avons passé pour nous continuer et à vivre l'espoir. Ou pas tout le monde qui n'a pas Jésus-Christ dans le monde ça. Y a vivre une vie sans espoir, une vie de désespoir, une vie de désespoir. Mon yo courir monter, yo courir descendre, yo ceci, yo cela, peut-être. Imaginez que mon en Haïti qui vend caille. Vend terre, vend tout ça au gagné. Après au fin vend tout ça au gagné. Soit voir le Chili. Là où il veut Chili. Il y a autant de discussions autour. Bien là la vie était commencé à marcher bien propre. Mais ce n'est pas ça, c'est pourquoi ça a ouvert. Ils ont piqué pour les États-Unis, ils ont pris en route. Ça qui doit faire combien de jours ou bien combien de mois en route pour arriver dans la frontière des États-Unis pour voyager au bac en Haïti. Pour voyager au bac en Haïti. Donc, ils ont vu sans Jésus, ils ont vu qui est troublé. Et ennemi sacré les Satan. Par exemple, pour comprendre bien ce que je dis là, il y a une raison qui fait la Russie a struggle en Ukraine. N'importe l'armée qui entre dans le pays qu'elle ne connaît pas, son sergent pour battre l'armée qui dans la terre natale là, c'est son bon cap en oui. Parce que tout côté pour serrer, c'est qu'on connaît. Il n'y a pas de terrain. C'est le terrain que vous connaissez, c'est route droite asphalte, vous avez conduit là-dedans. Même si vous avez un map là, mais vous dites que côté, vous n'avez pas de côté plus serré. Bon Dieu créé ciel. Bon Dieu créé l'univers. Satan a demandé bon Dieu goumen en ciel, bon Dieu créé. Et bon, ça va arrêter là. Non seulement c'est bon Dieu créé ciel, mais c'est lui qui créé Lucifer qui nourrit le Satan tout. Un, il créé Lucifer. Lucifer, par contre, comment le fait, c'est bon Dieu qui fait, le well là. Deux, bon Dieu qui est ciel, là, il m'a des batailles là. Voilà, mes frères et sœurs, avec qui genre d'ennemi qui nous engage. Donc, son ennemi qui est formidable et qui est même décidé pour l'opposer à Dieu, l'impropre ciel, bon Dieu. Et il n'a pas traité là. Là, il prend des fêtes, il a guéri sur la terre. Donc, là, il est dans le jardin d'Éden. Nous, qui qualité de gars été fait, les faire Adam et Eve péché. Et c'est ça qui mettait le monde là, je dis. Et ça qui plus encore, ennemi ça, lui tenter à mettre occasion
pour être capable d'anéantir ou bien effacer la nation d'Israël. Parce que lui, Satan, lui, au courant d'un pile bagaille, nous a fait plan bon Dieu. Et c'est lui qui te gâte bagaille. Il connaît qui plan bon Dieu. Te gagne, le bon Dieu t'a barré. Ma dit, il t'en dit ça, bon Dieu t'a dit. Il t'en dit plan rédemption que bon Dieu t'a gagné pour l'homme. Donc, l'aller dans le jardin d'Eden, les fait Adam et Ève péché. Et Satan pas arrêté là. Il tente de détruire l'Église et de nuire au service des croyants. C'est ça la PCF fait. Livler, détruire l'Église là. Livler, détruire l'Église mondiale. Vous voyez? Et comme lui ou elle pas plan pas réaliser, eh bien, la nuit moun qui dit à servir bon Dieu. La nuit nous en pile. Et dans l'avenir, Satan va susciter, sans tarder, une rébellion mondiale contre Jésus-Christ. Son bagage comme ça que vous faites. Satan va susciter une rébellion mondiale contre Jésus-Christ. Elle dit, il voulait pour le monde entier camper contre Christ. Et là, ça, elle me dit, camper contre Christ, c'est camper contre l'Église. C'est le dernier plan, ça, la pandémie, c'est là. Il y a une rébellion mondiale contre Jésus-Christ. Et rébellion, ça, la prale contre l'Église, Jésus-Christ. Donc la battre pour le faire ça à la fois avant et après, ça nous a relé l'établissement du royaume millénaire. Donc, si vous ne comprenez pas l'ennemi, vous ne pouvez pas comprendre l'importance. Si vous ne comprenez pas l'ennemi qui est le Satan, vous ne pouvez pas comprendre l'importance. Et on a parlé d'importance, il y a des gens qui ont pensé que c'est en termes de bon bagaille. Non. Importance Satan, capacité pour détruire ce qui est bon. Et les chrétiens ont besoin de comprendre ça. Donc, mais. Pour qu'on importance Satan, pour qu'on sache qu'à régler, il faut qu'on qui est ici. Et si vous pas préparé pour combattre ça, en tant que chrétien, vous pas préparé pour combattre ça, eh bien, vous serez perdant dans la vie. Pendant même où c'est ou chrétien, eh bien, vous sont perdants malgré ces chrétiens. Les gens sont absents, ou souffrir, ou absents, ou oh, dans l'évangile là, on va voir ça, bon Dieu fait pour ou sont perdants, ou pas même qu'on a qui ennemi, ou pas goumen, ou sont perdants. Ok? Pour qui ça? Parce que, eh bien, ou pas capable d'accomplir, ça, bon Dieu, t'as pas attendu où? Parce qu'ou pas qu'on ennemi, ou pas d'accord pour apprendre une stratégie pour battre avec lui. Donc, bon Dieu, pas une grande chose qu'à attendre où tout? Parce qu'ou pas qu'on gens pour goumen. Avec ennemi. On nous garde une stratégie qu'ennemi a utilisée, ou bien la stratégie de l'ennemi. Oui, ben, ma preuve avec quoi? C'est ça, ou le doute. Stratégie ennemi. En dans combat, il y a un bail, besoin de comprendre. Et ennemi, ça n'a petit dire que le Satan, il n'est pas petit. Ou est Jean bon Dieu puissant? Bon Dieu tout puissant, bon Dieu créer l'univers. Moi avec vous même imagine, nous ne pouvons pas imaginer qui est ce bon Dieu. Sauf c'est obéir sans comprendre. Eh bien bon. Et ennemi ça, il te voulait remplacer bon Dieu ça. Bon, pas besoin de rien encore. Donc Satan, il n'a pas les doutes là, mais ça le fait. Regardez depuis le jardin d'Éden, il était tenté pour être capable d'amoindrir le caractère de Dieu. Ça veut dire que Satan t'a essayé de réduire la crédibilité de Dieu parce que les évelés, moi avec, ou bien l'homme en général, Satan te tient à ce que nous doutions de bon Dieu. Vous songez, ça te dit, messieurs, dames, est-ce que c'est vrai? Bon Dieu t'a dit pour nous pas te manger fruit ça. Donc, ouais,
Satan l'a essayé pour amoindrir le caractère et crédibilité bon Dieu. Il posait aux questions ça, est-ce que c'est vrai? Mais elle finit les mêmes les encore, il continuer, il pas arrêter là pour faire qu'on aime, mais pour qui raison? C'est comme si Satan en tant que menteur l'a dit moun yo, mais pour qui raison bon Dieu bon nous menti ça? Ils sont menteurs. Il dit, il voulait montrer moun yo, ça bon Dieu dit à pas vérité. Bon Dieu qu'on est si nous mangeons frère n'a vinn bon Dieu tant que bon Dieu tout. Ça ou elle taille pour faire l'ancien là, on mettait dehors. Là joindre monsieur Damio pour dire OK, yo capable vinn tant que bon Dieu. Si yo mangez frère. Donc première stratégie et ennemi une première stratégie qui a été utilisée, c'est doute. Il était utilisé doute. Donc, pour y aller, ce n'est pas Santari le stratagème, ça, qui Satan est arrivé, ou bien Satan est arrivé, réussi à plonger toute la race humaine dans le péché. Avec parole, ça. Est-ce que c'est vrai? Avec doute ça, bah doute là. Et il te prend la vraie. Ouais? La stratégie de l'ennemi, le premier bagage qu'il fait, il fait douter. Il fait douter. Et il parle dans les oreilles, il parle dans la tête, il parle jusqu'à ce qu'il soit d'accord. Pour qu'il fait ça, bon Dieu te dit qu'il ne pas faire. Et c'est manger fruit. Il fait douter de ça parce que monsieur Damio te recevra une parole avant Satan de rentrer dans le jardin. Bien avant serpent de rentrer dans le jardin. Pas manger fruit. Je ne mange pas, je vais mourir. L'elle rentre, il mettait doute dans la parole, bon Dieu te dit. Pas occupé, bon Dieu. Je ne mange pas, je vais venir avec le temps pour bon Dieu. Donc, il y a une stratégie que nous, Satan, utilise, c'est doute. Et vraiment, les réussit plonger la race humaine tout entière, l'empêcher. Résultat, péché, nous qui salba à travers bon, ça est poté dans la vie l'homme. Nous voyons exactement qui salpoté dans la vie l'homme. Donc en effet, les gens la Bible dit et le serpent rusé a amené Ève à douter de la parole de Dieu en disant, Dieu a-t-il réellement dit? C'est dans Genèse 3, verset 1er. Donc, il s'en est ensuite pris au motif de Dieu. Comprenez-vous Satan? Il va venir pour le porter l'estomac, les consacres, pour le dire, moi, je viens de dire tel bagaille. Et c'est moi que bon Dieu, etc. Je voulais pour nous. Non. L'y avec même parole, bon Dieu te dit. L'y avec le nom de Dieu. Pour dire que, oui, nous, bon Dieu, mettez là. Il dit, nous pas manger là. Nous mettons manger. On bagaille, bon Dieu, caché nous. Il y a un bagaille, bon Dieu, caché nous. OK? Donc, et là, il dit que bon Dieu, il y a Satan. Satan dit bon Dieu, il y a des motifs égoïstes et secrets. Satan montre M. Damio, bon Dieu, il y a des motifs égoïstes et secrets pour interdire Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon Dieu, on dit Jean, ou bien bon Dieu, égoïste. Il y a un bagage là, serré nous, messieurs, dames. OK? Bon, moi-même, je viens pour m'ouvrir les genoux, pour montrer nous. Ça l'a serré nous, en mes alliés. Il crée doute, banalisé. Tout ça, bon Dieu te dit. C'est ça le fait. Est-ce qu'il s'y spawn vers ça? Jusqu'à présent. C'est ça le travail. C'est avec ça, il travaille.
C'est avec ça qu'il travaille toute l'humanité. C'est avec ça la marché fait des dégâts tout partout. C'est avec ça les détruit nations. C'est avec ça il y en a petit l'autre. Et ça c'est dans verset 5. Il le dit, en fait, il ne pouvait pas se fier à Dieu. Donc, en d'autres termes, il dit, mais c'est mieux pas faire bon Dieu confiance. Parce que les paroles de Dieu pouvaient trahir sa pensée. Il fait reconnaître que bon Dieu doit dire une parole, mais la pensée bon Dieu, c'est l'autre bagaille. Donc, il y a une erreur dans la bagaille. Sam vient dire, non, c'est pour nous faire. Les jouer, les parler, les toute philosophie de yor, pour créer doute, la caille, mon yo. En pile fois, ennemi, il a créé doute n'importe côté. Il a créé doute l'enfraye, il a créé doute l'antimoun, maman, papa, zami, l'église, pasteur, diac, ennemi qui a créé doute la caille. Parce que ça qui est belle là, c'est pas des bagages qu'on connaît, c'est ça qui fait le doute. C'est des bagages qui a vendu ou qu'on pas connaît. Et pour chier d'attendre. Ça fait la Bible dit dans Somme 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon c'est ça, qui ne s'arrête pas. Attendez bien, attendez, qui pas attendre écouter conseil méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie, qui ne s'assied pas compagnie. T'aimes au cœur. Pas chita. Ak moke yo, pa tande yo, pa compare yo, pa marche avec yo. OK? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour, il est comme un arbre planté près d'un courant qui donne son fruit et dont le feuillage ne sait tout ce qu'il fait. Donc il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. Voyez? Donc, pas oublier, là, il est devant l'assemblée. Il parlait des pécheurs dans l'assemblée des justes. Il dit, depuis ce côté monde qui a observé bon Dieu réuni, il y a un monde qui peut déranger ou qui l'a mis en yo. Et le monde y a dérangé, ce n'est pas n'importe qui monde, non? Le monde y a dérangé, ce n'est pas un bien-aimé qui chita là, qui va prendre rien. Vous pensez pas, yo moun sa va pas pa yo non. Moun y a dérangé, c'est moun yo qui gen zèl. Moun yo qui ka parler. Moun yo qui ka fon bagay pour bon Dieu. C'est l'en tête yo y a parler, c'est yo y a dérangé. C'est yo y a dérangé. Donc Satan li vle ko ou douter bon Dieu. Douter de sa parole et de sa puissance. C'est ça le fait. Il veut douter bon Dieu, douter des paroles de Dieu. Douter de la puissance de Dieu. Et bien trop souvent, moi m'assemble avec vous, nous tombons dans le piège la vraie. En pile fois, nous tombons dans le piège la vraie. On prend par exemple la dîme. En pile monde pas payer dîme, c'est doute. Faut pas l'été fait en tête yo, donc yo viennent pas ba dîme valeur et puis yo arranger yo pour mener une vie misérable, une vie sans bénédiction parce que bon Dieu pas va y forcer. Les bon Dieu dit essayez. Les regardez ouais mon yo a fait négligence dit bien. Sinon quoi ça m'a dit c'est menti. Essayez pour nous ouais. Mais ennemi en ça le fait, il crier toute la campagne le monde. Oh, ou ben l'argent l'église pour enrichir pasteur. Donc tout de suite il faut aveugle sur un gros établissement qui pour payer. Il faut aveugle sur l'électricité pour payer, il faut aveugle sur bus qui pour acheter, il faut comme si pas grand rien pour grand quand même. Il faut oublier toute bagaille. Il faut oublier qu'il rien pas capable marcher sans l'argent. Il faut aveugle les bon Dieu, les n'a déplacer là. Faut pour aller. Faut qu'on gon l'autre 30 40 000 dollars. Me songe les nous te mettre carpet ça. En 2006, il était coûté 16 000 dollars. Bagay bon marché, ça dit. Pour tout temps dans ça. Mais et bah, ça va là, non? Sous cher, c'était un lot prix. Parce que ma parlé sale là. Pour sortir devant, arriver
derrière aller dans bayo. Il te coûte $16,000. On est en 2022. Donc, on va imaginer et les n'a mettre carpet côté de bras là sans custom carpet. On va mettre type carpet ça encore. Custom carpet pour en hôtel, il y a plusieurs couleurs etc. Faut font belle bagaille. Donc, l'elle crée doute la caillou, il pas quitter rien la caillou. C'est comme si pas grand rien qu'à régler, limite on doute la cadeau, pas faire ça, on va pas enrichir moun, on va chez ça c'est là. Il crée doute dans foyer moun. Il crée doute tout partout. Donc Satan qui ça le fait? Il prétend qu'il a dit nous la vérité. Mais en réalité, c'est lui le menteur selon Jean 8 verset 44. Dieu dit, ne mens pas. Ouais, parce que Dieu, lui, ne ment pas. Dans Jean 8, verset 44, il dit, Satan s'est menté. Et depuis le commencement, bon Dieu dit, Satan a menti. Et si bon Dieu dit, depuis le commencement, il a menti, pas oublier, c'est lui qui est l'ancien là qui est ici fait, lui qui ça l'a pas l'air. Et où est ça, les fait régler dans le ciel, la conseil de l'ange, oui. Depuis dans le ciel, la fait mentir, ils font un groupe ange qui était bon Dieu, tombé l'envie misérable, capitaine de l'enfer qu'on y a. Ils font un avec eux, ils vient causer. Bon, bon, gens ou aime l'homme y est, comme ça. Et Satan fait comme ça. Depuis dans le ciel, là, Satan fait réunion. Rassemble un groupe ange, fait réunion, puis il y a un groupe avec bon Dieu. Puis il prend le ciel, là. Donc, attitude qu'on voit l'homme gagner, je dis, dans l'église. Ou bien, attitude qu'on voit l'homme gagner dans le gouvernement, il y a un coup d'État, etc. C'est côté papa, il prend. C'est côté papa, il prend. Donc, il voulait pour nous douter de la parole de Dieu. Hein? Bon, là, on remet de la nouille là, parce qu'on a parlé de la stratégie de l'ennemi. Pour qu'on remette là, faut qu'on ennemi. Et remet là, qui c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle inclut stratégie ennemi, tout ça ennemi, qui a fait tout truc ennemi. Dans la parole, bon Dieu, pour joindre lui. L'offre, on qui est ennemi. Pour poter remède à une maladie, pour qu'on ait un virus, pour qu'on ait origine maladie. Donc, c'est pas, et ça fait gagner 4 fièvres ou gagner, yodou, kapontit à l'énorme, mais tout, c'est pour, c'est pas temporaire. Parce que vraiment, yon pas qu'on ait ça qui fièvre là. Chance pour ou kapre de tadan l'allé, parce qu'il pas ton bagay qui grave. Mais selon origine fièvre là, eh ben, faut que c'est antibiotique pour le prendre. Mais remède là, c'est la parole de Dieu pour le monde qu'on est. C'est soumettre à Dieu. Qu'on est la parole de Dieu, c'est ça capable de connaître qui est ennemi. Depuis le commencement, qui est le comportement qu'il a gagné depuis longtemps, et qui comportement qu'il a gagné aujourd'hui, de façon que ou même, avec grâce bon Dieu par moyen Saint-Esprit, pour dégager ou. Ou vaincre ennemi avec bon Dieu qui bon pouvoir ça. Pas oublier, c'est un ennemi qui pas jamais mouri et par rapport au te passé, quel que soit par rapport à 70, 80, 90 ans, 100 ans, ennemi ça a regardé comportement par rapport au fait ou par rapport au mouri, ou vient jeune même ennemi là, ou fait petit ou mouri. Petit ou vine jeune même là. Donc, son ennemi qui compte l'homme,
Il connaît l'attitude de l'homme. Il connaît le comportement de l'homme. Mais chance pour nous, avec la grâce de Dieu, le monde qui crée l'ennemi, il dit nous, mais remettre lui. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et puis, devant nous, pour le frontière avancer, là, résister, là, nous va arriver là-dedans. Oui, parce que nous venons de le problème qui va posé, même si on a une esprit biblique, mais si on a une esprit biblique, on va finir la parole. C'est l'homme, on joue aux hommes, on joue aux hommes. Est-ce qu'il y a un Satan où on va sentir Satan là? Bon, et bon, on le bat encore, toi. Et il y a deux problèmes. Même si on te remet lire la Bible, il ne peut pas comprendre tout le bagaille. Bon, on t'a dit, même si on n'a pas vu dans l'étude, et que depuis la Bible, il n'a pas comprendre, il n'est pas capable. Il y a quelques bagailles dans la Bible, il faut que je vous explique. Donc, quel que soit Jean nous virer, l'on chrétien pas fait plan pour chercher à comprendre la parole de Dieu à travers les études bibliques, je pense que ou parle en bataille. Ou parle en bataille. Donc, je me suis dit là, très souvent nous tombons dans le piège Satan. Donc, parfois nous avons inquiété nous. En pile, nous inquiétons en pile pour ne pas perdre et ça nous relève notre sang-froid dans les situations difficiles. On a baissé et fait ça. Vous voyez? Parce que nous pas vraiment croire que bon Dieu est capable de résoudre le problème. Parce que Satan met des doutes, nous avons des difficultés. On ne parle pas de perdre sang-froid, non, un problème. Yo. Même mon monde qui besoin marié par exemple mon doit vivre dans le célibat il besoin marié il rive l'on prend il perd 100 francs c'est pour lui même bon Dieu papa pas gain contrôle bagaille ça et c'est lui pour dégager donc et puis ça fait quoi il fait des grands comptes il fait le regret pour toute ville c'est dans toute bagaille de pour mal comprendre la parole pour qu'a perdre 100 francs. Parce que lorsqu'on prend la parole, il y a des choses qui sont faites. Ou quand arrive l'on prend, on dit, est-ce que bon Dieu veut me mettre comme ça ou bien il veut me marier? S'il veut me mettre comme ça, la bonne possibilité pour que conseil de bail qui va traverser, c'est désir qui va traverser. S'il pas veut me mettre comme ça, la guider pour c'est lui qui voyons monde pour moi. Mais les années a passé et que ça va chercher à vous rejoindre. Bien dit, ça va chercher à passer à bon Dieu bail là. Parce que pas oublier comment l'homme choisir. C'est avec ça qui frappe les yeux. L'homme, c'est l'enfouré main prend. Et puis, il y a tant de déceptions. Pas grand encore, non? Fouré main prend tant de déceptions. Pas grand encore. Son seul jambe qu'on est vrai. Pour qu'à crier victoire, elle est bon Dieu. Fouré main. Et d'où même bon intel pour faire route avant. Parce que moun li capable avec vous tout autant en santé. Depuis maladie t'a campé. C'est lui même qui pour prendre responsabilité. À 100% on garantit ou pas prêt. Pour qui ça? Parce que li c'est un agent de Satan qui te vient sous ou tout pour déranger ou pour pas joindre sa bon Dieu qui te pour. Dans n'importe situation, on peut perdre 100 fois ou parce que bon Dieu a une capacité pour résoudre le problème. Non. Et parfois, mes frères et sœurs, c'est arrivé que nous doutons de la grâce de Dieu. Parfois, nous doutons de la miséricorde de Dieu. Parfois, nous doutons du pardon de Dieu. Et par conséquent, et
nous accabler avec un certain sentiment de l'anxiété, nous accabler avec culpabilité, etc. Il y a plein de monde qui a demandé, est-ce que bon Dieu vraiment remet yo? Est-ce que bon Dieu vraiment remet yo? Il y a des gens qui ont demandé, est-ce que c'est péché par eux qui fait souffrir? Mais en raison bien pour l'autre, chaque monde a une forme de souffrance dans la vie. Souvent, chaque monde pas même. Chaque monde pas mené un combat même gens. Et pas besoin bagaille, il y a un monde qui a le même problème avant. Et puis le garder tête pas où elle semble un monde qui a pas un problème tellement il connaît comment la mener un combat. Tellement il connaît comment la mener un combat. Il connaît la parole, il connaît la prière, il connaît mon Dieu. Donc il refuse de quitter ennemi en mettre la tête. Et face à un autre qui a le même problème là, ou bien un problème qui est similaire, un problème qui t'a semblé à un problème pour là, et vous, les give up, comme si tout d'ailleurs, pas dans l'évangile encore. J'entends de la parler. Ouais? Donc, il y a un monde qui a demandé ce que bon Dieu remet yo. Et si tout l'est arrivé là, on sait des mauvais bagailles, et qui arrivé dans la famille yo. Par exemple, la mort, maladie, etc., perte du travail, et pas qu'à payer, kaye, à mettre au déol en kaye, ou c'est chrétien, on perd du job, ou on pas qu'être posé qui compte rive moun. On a demandé est-ce que bon Dieu remel? Est-ce que bon Dieu remel? Maintenant, comment nous devons réagir devant gens de doute sa yo? Et ça tape mette devant nous. Y a quel problème ou gagne? Et ou pas qu'à dire des mon doute mon dono pour sortir pas font pas parce que pas blé doute oui c'est doute moi dire c'est doute moi dit ou rien dans la vie faut douter il faut qu'on la parole pour qu'on yes ennemi OK avait dit que il est laissé par un démon c'est pas vraiment un démon quand dedans ou? Mais c'est Satan qui joue dans le psychique. Soit à travers un monde, il passe par un monde pour jouer dans le brain nous, pour faire sentir que ou pas capable, ou pas réussi, etc. Pas fait tel bagaille. Bon, ou pas ouais un tel. Ouais comment un tel passé. Les jouer, jusqu'à ce que vous succombez en bas ça attendez yo. Ou soumettre ou. En bas ça attendez yo. Et la Bible dit pas soumettre ou ni en bas. Et vie causer l'homme a dit ni en bas Satan ni en bas problème en bas bon Dieu dit vous soumettez-vous dans Jacques 4 verset 7 soumettez-vous donc à Dieu et puis les filles bataille dit résistez au diable ne pas parler monde qui résister ça c'est monde qui dans combat pas le monde qui résister c'est monde qui dans combat c'est monde qui dans bataille ouais c'est pas une question n'a pas avancé maintenant. Comment nous devons réagir? Eh bien, nous avons une responsabilité. Comme ça dit là, nous avons la responsabilité de résister au doute. Dit, quand on doit résister au doute, là, on compte à diable à résister. Tout. Résister au doute. Ou à fond, bah, qui est bon pour bon Dieu, ou à voulez douter, résister au doute. Et de même qu'à toute autre tentation. Mais on n'est pas capable de miser autour avec les démons. On va faire ça. Donc, chrétiens, vous devez engager yo dans un grand combat contre les ruses et les tentations du diable. Combat ça, tout chrétien doit engager nous là-dedans. Ruse Satan. Et on y a un problème qui vit. Il y a des gens même qui ne pas même connaître ruse Satan. Nous n'avons pas même connaître ruse Satan. Et diable la ruse en pile. Et bon du monde, de vous déjà un cœur pour faire un bagage pour bon Dieu, pour la gloire de Dieu, il y a un problème à vous. Et yon bagage en pile, moun pa konnen tout, yon pa konnen que conseil de bénédiction pour joindre yo, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Soumettre à bon Dieu, faire ça, bon Dieu, mande au fait. Et bon Dieu, regardez non.
et la passe avec vous devant toute qualité ennemie. Parce que vous êtes d'accord pour supporter tentation, pour supporter épreuve, pour supporter difficulté, etc. Donc, responsabilité, c'est résister au doute. Et l'autre bagage m'a rien dit tout. On a regardé comment la tentation fonctionnait. Tentation les fonctionnait. On a regardé dans Jacques 1er verset 14-15. Par contre, si frère Kimel là, si on bibe avec lui. Jacques chapitre 1er. Jacques 1er 14-15. Jacques 1er 14-15. Mais l'amour en tentation, c'est pour mauvais désir monde en aller, en pousser. Comme ça, mauvais désir en travailler. Il fait un péché. Le péché a fait fait, il baille la mort. Ok. Par contre, si nous avons des affaires à dire là, nous voulons faire l'élan encore? Ou bien nous sommes bien dans des. Mais, dans un monde de tentation, c'est pas trouver des immunes à aller, à pousser. Comme ça, trouver des îles à travailler dans quel il fait le faire péché. Les péchés à ce fait, il baille la mort. Ok. Et, ça veut dire, chaque grand monde tenté, les li attirer. Et amorcer par propre convoitise. Ensuite, la convoitise, l'offre attirée par propre convoitise, et l'elle consulte les enfants des péchés. Et les péchés étant donné la mort, donc, étant consommé, produit la mort. Jacques 1er, 14, 15. En d'autres termes, c'est là, oui, il y a parlé de doute là. C'est là, il y a parlé de résister au doute. Péché, quel que soit péché, pas oublier, péché vaste, péché en pile. Quel que soit bagarre ou pour le faire qui mal, il subit un processus. Le combat spirituel, il a besoin comme ça. Eh bien, tout bagaille mal yo passé par un processus de vous-même. Ce n'est pas un bagaille que vous voulez vous faire confou. Bon? C'est l'en mi-temps processus pour vous mener un combat. L'en mi-temps processus pour vous mener un combat. Mais c'est qu'a fait ça, yo. Yo dou, anti-missile yo fait si on tire son moun tire un missile. Pour craser missile ennemi, hein. Yo dit c'est pour anti-missile la détecter missile ennemi envoyé environ 3 secondes depuis l'en pays côté missile la déplacer avant il dit 3 ça veut dire que ouais dans la guerre là anti-missile là yo inventé pour détruire missile là l'en pays ennemi en même avec accord de satellite yo quand l'est de pour activer un missile pour vous aux États-Unis. Donc anti-missile États-Unis qui déjà activé les tout les déjà en route tout parce que quand on connaît les déjà en route pour craser missile qu'on voyait et tout grand pays yo qui en bail ça c'est même bagaille là nous t'a dit pour processus doute là pour processus et pour nous vaincre péché pendant processus le mal a fait chemin dans la vie nous. Eh bien,
faut que nous commençons à combattre doute là bien bonnet pour nous chasser dans cœur non. On dit non, ça va correct pour nous pas la tête nous, pour nous résister, pour nous la prière, etc. Ça veut dire la Bible dit l'on nourrit son pensée le fait pas bon. L'on nourrit et puis esprit ou vient d'accord ensemble avec lui. L'esprit ou vient d'accord ensemble avec lui, il dit premièrement ou consommer l'esprit ou et puis ou pral consommer soit ta pensée ou pral faire physiquement. Exactement, c'est ça qui t'est arrivé Adam avec Ève dans le jardin d'Éden. OK? Donc il est très important pour Maxime pour nous comprendre l'histoire Satan et ça la Bible dit nous des situations créées à travers le monde qui est le péché. Il faut nous comprendre sa tentation yé. Et tentation nous connaît et gien lan yo qui sorti dans Satan gien lan directement dans l'homme ou bien dans démon bien dans propre chair ou etc. Et parce que nous dit la réaction doit être la même quel que soit côté il sorti qu'il sorti dans Satan quel que soit dans la chair quelque c'est résister. L'autre bagage encore après les doutes c'est sont arrivé la persécution. La persécution. Alors on a parlé de la stratégie de l'ennemi. Premier, c'est doute. Deuxième, là, c'est persécution. Satan, non seulement l'utilise les doutes, mais aussi l'utilise les difficultés. L'utilise doutes, l'utilise difficultés. Qu'est-ce que Satan fait? Il veut que les choses soient difficiles pour les chrétiens. C'est ça, la vie chrétienne, non même la vie où debout ces chrétiens, Satan veut la vie difficile. OK? Et de façon que, pour qu'arrive l'on point, pour qu'a dit, pour qu'a lâché, et puis pour qu'il fait ça, il veut la vie m'a avoir difficile. Et très souvent, qui ça le fait? Il utilise persécution. L'utiliser persécution comme ça nous a relé yon zam principal. OK? Donc, yon raconte l'histoire d'un homme qui tape parler avec un frère de Jésus-Christ. Et frère a été converti. Et puis, là, le côté frère lui, même moi, ma part, il dit, monsieur, mon cher, je me convertis, mais bib moi, etc. L'aime de me content, je me convertis. L'autre frère apprend la Bible à la maman mouche, il râle la Bible, il voltige la Bible à l'autre bout, il va parler de la Bible encore. Tout de suite, il y a une division créée là. Un problème. Un problème. Parce que l'ennemi n'est pas content. Eh bien, qui semble nous parler là? Donc, il y a une persécution qui est un petit peu douce. Elle me dit doucement, il y a qui pas trop terrible. Il y a une persécution qui est terrible. Mon frère qui prend Bible, il veut jeter. Bon, ou elle fâché, il pas content converti, tout de suite on pas parler avec fort encore, tout ça me comprendre ça. Frères et sœurs, l'autant de commence à pas arrêter moun. Pour mon apprend bâton pour la parole de Dieu, pour mon apprend prison pour la parole de Dieu. On a persécuté ou y a d'où dit, y a d'où fait, y a d'où ceci, y a d'où cela. Et puis c'est pour ça, non, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, ou bien, whatever. Quantité de monde, il y a encore, y a persécuté ou là. Y a dit qu'on est sous, ou pas qu'on est ni fait ni dit. Il y a deux bails qui arrivent. Sous son monde qui entend la maturité, qui entend la parole, si Marie va monter, il va descendre. Mais si vous n'avez pas entendu la parole, ça suffit pour faire rester loin de l'évangile. Si vous n'avez pas entendu la maturité, c'est suffi. C'est fini. Parce que vous n'avez pas compris tout le bagage qui est sorti. Vous n'avez pas venir dans l'évangile là pour tout le bagage qui est. Mais c'est malheur ça gagne. Avec la question pasteur qui m'a posée, lorsque nous n'avons pas entendu la parole, nous n'avons pas étudié
la parole de Dieu. Et voilà que nous tombons en bas persécution, et nous tombons en bas tentation, et nous pas de grand temps qu'on est si la Bible te dit bagay ça. En dans conversion, là, il y a le package pour l'on pas connaître ça là-dedans. Ou pas au courant que ça là-dedans. Donc tout de suite, vous sentez que place où il y a tombé mauvais côté, place où pas là. Non seulement Satan a utilisé, alors ça fait nous dire que il y a des pile croyants à travers l'histoire de l'Église, et j'en nous connais là, ils ont tiré, ils ont tué, pour qu'ils s'approuvent pour la chrétienne. Et Satan l'a utilisé toutes les formes de persécution pour le capable d'attaquer les chrétiens. L'autre bagaille, Satan fait encore, c'est sans doute les faux enseignements. Il fait, moun parle, il prend même Bible là. Et puis, marcher, si maillé, bagaille qui pas correct. Marcher, dit bagaille qui pas ça. Et bien longtemps m'a suivi parole messieurs relé parole de prospérité même relé alors en pile monde relé l'évangile de prospérité nous connaissons seul l'évangile c'est l'évangile Jésus-Christ mais quand même il y aurait l'évangile prospérité donc en pile monde aller l'église mais malheureusement pour monde ça yo yo pas tant de messages pour yo sauver yo pas tant de messages pour yon capable sauver. Yon tant de messages qui pour faire yon content. Yon tant de messages et qui pour faire yon voltiger en l'air. Yon tant de messages qui pour faire dormir avec espoir. Mais yon pas tant de messages qui pour faire yon sauver. Ok? Et c'est faux enseignement. En pile fois, nous parlons avec des gens qui disent c'est chrétien, oui, gens qui convertis longtemps. Peut-être ou même vous faites expérience dans tout. Mais moun sa yo, yo comprend très peu de choses dans la parole de Dieu. Moun qui convertit longtemps, yo pa comprendre un peu de bagaille dans la parole de bon Dieu. Mais on va demander comment ça fait arriver, si même ça n'a pas parlé là. Depuis le commencement, moun n'a pas de gens prend la parole de Dieu au sérieux, n'est pas de gens intéressé dans l'étude biblique, école dominicale, non bagay qui bien préparé avec des sujets bien déterminés. Il va déjà un élève dans l'école dominicale. Et puis, ça qui est pire de l'enseignant, on bon matin levé ou dans un tel pasteur. Et, pasteur, moi, il n'y a pas de un bon soldat, non? Il n'y a pas de un bon chrétien, non? Il n'y a pas de un bon chrétien, comme si on monde qui est normal, toujours dans l'étude biblique, qui est toujours dans l'école du dimanche, ou est mon nom, ou est zélé. Carrément dans le pasteur. C'est ça qui arrive. C'est ça qui fait que, et pas oublier, pendant le pasteur, ça qui fait le pasteur, conseil des charlatans, Satan mettait là pour sacrer, oui. Il n'y a pas besoin qu'on ait depuis au pays, au sacré, au lagé. Et c'est problème, ça gagne. Donc, nek sa yo, si mon nom pour te, parce que vous n'avez pas de bail, ça va gagner. C'est peut-être pas les pas de jambes recevoir enseignement de la parole de Dieu. Les pas de jambes chita dans l'école dominicale pour l'apprendre. Les pas de jambes chita dans l'étude biblique. Les pas même un chrétien zélé. Puis qu'on y a douce et arrêlé. Et où est l'éternel? L'el relo. Les tiens qu'on forme. Avant, vous voyez, disciples, les former. Donc, il y a un âme Satan utilisé, non dit c'est doute, c'est persécution, c'est faux enseignement. Mon nan chrétien, pour un pile année, mais il connaît peu dans la parole de Dieu. Et, il y a un chrétien qui se demande c'est quoi la sanctification? Ou bien qui sa sanctification? Il va connaître. Est-ce que quelqu'un soit allé à fond étude sous ça, il va là? Comment ça va intéresser? Tout à grand chrétien t'a demandé sa sanctification. Et l'abdou, bon, c'est mon qui pas l'empêcher de faire ma garçon ou bien. Bon, l'abdou, ben quand même, parce qu'on a 50 autres bagailles. So, ou pas qu'à contre toutes bagailles, il faut chita pour capable apprendre. Et je crois que, en pile fois,
y a un chrétien qui dit yo confus. Senti dans confusion. Et malgré chrétien, c'est mon église mais dou face à la parole de Dieu, il y a une question à poser, la tomber dans confusion. Et confusion ça en partie c'est ruse Satan pour capable frustrer chrétien et parfois les utiliser ça l'enseignement. Et utiliser enseignement et c'est-à-dire des enseignants qui présentaient comme ça ouais t'as une surabondance de doctrine d'interprétation contradictoire ouais et qui peut mettre mon yo en confusion par exemple quand on arrive mon ami dit consacré bon Boris a nous pas fait sainte scène etc quand on arrive Boris a bon nous fait lavement des pieds oui quand on arrive et m'ta parlé avec un bien-aimé l'autre jour et il dit que yo invité long ligne de prière on yo prié pendant 2 heures de temps sans arrêter tout le monde a parlé en langue 2 heures de temps sans arrêter tout le monde a parlé en langue parce que personne pas besoin expliquer rien. Équipe moun sa ka parle en langue là, yo tombe en bon doctrine qui pas bon. Côté yo enseigner yo faut tout parler en langue. Or le parler en langue son don. C'est bon bail qui c'est bon obligation y est comme si faut nous tout parler en langue. Parler en soi pas un mauvais bagaille. C'est un don lié. Sous te mande bon Dieu l'ou capable joindre li. Mais yon l'église alors ça m'a parlé c'est pas de ou bien trois monde qui t'a prié puis ils ont parlé en langue tout monde c'est en l'église ils ont invité la prière tout monde parle en langue pour 2 heures de temps de prière sans camper mandé lui même ça il fait il dit bon lui même c'est anglais il t'a prié lui même pareil mais tout monde parle en langue ouais que Satan ça le fait l'utiliser faux enseignement pour mettre chrétien en confusion. Et là ouais même j'en m'a fait étude avec nous là on passe te met en groupe monde devant l'a dit yo que si ou pas parler en langue ou pour sauver parce que c'est ça oui qui force qui va le mettre en confusion qui préfère après parler fausse langue à parler il va en langue à parler vieux cause a dit pas comme ça dit non mais comme yo dit yo faut faire. Ou attendez yo tout a bégué ça qu'après le con pour le con bouc abrit ça qu'après le con bœuf ça qu'après ou attendez chaque monde gon l'obéi a dit il y a pas la langue c'est ça yo enseigner yo OK et ou rien pas comprendre ça me là de pour yo dou on l'église tout monde dit tout monde oui tout monde a pas la langue son enseignement yo recevoir OK recevoir yo enseignement pour sauver faut montrer que Saint-Esprit est descendu dans la vie où tu es baptisé du Saint-Esprit, donc on a une capacité pour parler en langue. Donc, imaginons un monde qui a prié pendant 2 heures de temps pour qu'on a parlé en langue pendant 2 heures de temps. Et demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui explique? Il dit non, pas quelqu'un qui explique, il y a tout le monde qui parle en langue. On a utilisé le micro. Donc, ça, c'est faux enseignement qui mettait le monde dans l'état ça. OK? Parce que les parler au pour les pousser.
Seigneur, merci. Ouais, mon affaire, bon Dieu, son mystère lié. C'est la raison ça qui fait m'pas critiquer bon Dieu, mais sans me donner pas aimer là-dedans. C'est là, me dit, entendez, on nous parle en langue parce que ça pas fait comme ça. Vous comprenez? Ça pas fait comme ça. C'est pas sa Bible, moi, intime. Est-ce que vous comprenez, maman Dou? Le parler en langue, il dit, faut qu'il y ait un monde là, pour les gens qui parlent en langue, il faut qu'il y ait l'autre monde qui traduit. Si pas qu'il y ait l'autre monde pour traduire l'anglais, un monde qui a édifié tête lui seulement. Ok. Et où t'es combattu? Dis ça, Emmanuel. Denise? Vraiment, combattu, je t'ai dit non. Seulement, je t'ai dit, là, où t'as dit que je parle en langue, pour moi-même, je ne parle pas en langue, vrai. Parce que c'est trois voyelles qui ont utilisé. A, E, O, Rebeke, Roboko, Rab. C'est ça seulement, tout le monde a dit. Yo même chanté Rebeke Roboko, c'est ça seulement. Yo pas besoin sanctifier assez. Moun nan doit chanter, on chante là et un petit moment entendre li tomber dans Rabaka Roboko, Papa Kondo, on pas connaît. Pasteur Jacques. Moi même moi remarqué pour mon qu'on vient là parler en langue yo, c'est même comme ça a dit, c'est même parole là m'entend de tout sans ta la bouche ça signifie mettez la bouche, c'est sans ta la bouche, c'est ça signifie ça. Moi même toujours curieux pour me connaître qui ça signifie. M'pa ka parler en bagaille pour m'pa connait ça signifie. OK, m'pensais te ka panyol. Mais qui ça, est-ce que moun nan kap di parole sa yo, yo kon sa yo di ya, qui ça signifie? Parce que, ok, langue des anges, ou gen da pa jam comprenne, mais est-ce que réellement c'est langue des anges y a parlé à vrai? Parce que moi-même, moi connais la Bible dit, le yon moun rempli du Saint-Esprit parler en langue, c'est soit ou ap glorifier bon Dieu, ou bien si son message, ou abjoindre son message, ou abjoindre l'autre monde interpréter message là pour vous, ou du moins sous même tout, sous gain don pour interpréter, ou interpréter nous-mêmes. C'est ça que la Bible dit. Mais si vous avez parlé en langue, je ne sais pas si vous avez parlé en langue, je ne sais pas si vous avez parlé des anges dans l'île. Parce que je ne sais pas si vous avez parlé cet esprit bon Dieu, même les parlé, m'attendez. Moun ki rempli et moun ki rempli allez la parler ou même qui cet esprit bon Dieu nan ou pas parler langue nan non ou senti ou édifié parce que l'esprit bon Dieu li connecté avec esprit bon Dieu avait dit moun nan ki gen esprit ou même ou gen esprit bon Dieu la parler langue même sou pas parler langue ou pas édifié. Mais si m pa édifié soit di a pas bon m pa believe c'est moi qui pas gen cet esprit bon Dieu m believe c'est soit di a pas bon. Ok. Pasteur, parler en langue sont belles bagailles parce que c'est bon Dieu qui parle en langue. Si c'est vrai, c'est la langue là, on a parlé vrai, oui. Si c'est la langue, mon Dieu, en bas là. Parce que mon monde qui connaît prier ensemble avec moi, mon ça parle encore, non, les mourir. Maintenant, il doit prier ensemble avec lui, qu'on est depuis une prière à marée. La prière bien propre et pour elle parlons l'autre langue. Et puis on l'est, il t'allait ouais on se lit, mais t'es un mauvais monde qui était là.
pendant mauvais monde nan té là et puis pendant la parler en langue non la prier puis l'anglais changer pendant l'anglais changer mais c'est pas faux langue tant que monde fait à non langage dit changer pendant la prier li rempli du saint esprit li parlons l'autre langue les livre la kayli moun nan relèl té gon moun ki té gon mauvais moun ki té la mauvais moun nan dit comme ça ça té pas ça là ça té pour on là ça té ki tangé là pour moment côté ça té gen là pas vinn parler langue là madame nan dit même pas qu'on soit dit non non c'est prier m'ta prier moi langue moi changer dans prière m'pa konn soit dit non non il dit mando ça té ki tangé là il dit pas connait loi parler langue là c'est ton coupon y a wap fou dans quelqu'un moun chaque parole ou dit son couteau wap entendre dans moun c'est fann wap fann quelqu'un moun gien délai bon Dieu konn changer langage bon parce que gien moun ko t'a prier côté prier moun gien mauvais moun ki konn là qui vient investiguer bon Dieu konn changer langage moun nan pour une raison vous comprenez bagay ça li trois fois pour moi m'pa rentrer là dedans parce que me seulement rester dans petit verset bon Dieu bon m'n comprendre rien m'rete là dans m'parler trop loin parce que bon langue nous qu'on a parlé longtemps et si on entend qu'on a parlé comme ça quel est jargon jargon yo qu'on a fait ça là nous te qu'on a fait ça là quand même pas de jambe de connelle on qu'on a répété ça si mon y a dit et puis on les aussi les noms babato on dit faut nous dire ça nous dire ça n'a pas dire il on a parlé de et puis on n'est pas dit faut nous venir dire ça n'a pas dire parce que pas comme ça n'a pas dire et puis il va pas répéter ça n'a pas dire non moi c'est même genre parfois moi mon y a parlé jargon moi c'est des bagages pas jambe capable ça dire très bien. Mais ça pour nous comprendre ça me dit là. Pas grand rien qui ongle parler en langue. Mais nous dit que Satan utilise faux enseignement pour larguer chrétien en confusion. Moi dit si accorde nous ça yon pasteur de dim l'autre jour. Je t'ai invité à la prière. Toute l'église là, net à parler en langue pour deux heures temps sans camper. Ça, c'est un groupe de monde qui recevait un enseignement pour parler en langue. Donc, il faut faire la différence entre don que bon Dieu bail avec enseignement l'homme qui pour faire tout le monde parler en langue. Il n'est pas possible. Tout le monde gen don parlant langue. Ça, il va busy. Bon, gen moun bon Dieu bay don pour parler langue là parce que parlant langue son bon bagage. Parmi don yo c'est yon nan don yo. Si vous besoin don pour parler langue, des fois il en consécration bon Dieu bolé. Son don lié. Même gens tout l'autre don prêcher, diriger, tout tout l'autre don yo. Mais ou moun baka vin la pou tout bon berger a parler en langue. Nous tout net a parler en langue pou deux heures temps sans camper. Donc, et là gon problème. Yo vin pa konn la parole. Yo vin pa konn la parole parce que c'est dans parole là pou la prière. Et bien c'est ça. OK, donc moi dit Satan utiliser faux enseignement. L'utiliser faux enseignement. C'est même gens qui ont faux enseignement, Satan utilisé. Et il y a quatre pasteurs, on va dire tout, qui toujours dit chrétien, ils sont capables, bon Dieu, qu'a fait riche, sans yo pas voyer ni l'école, ni apprendre métier, ni faire business. Vous devez être riche là, on vole les bagages. Ben, ça aussi, faux enseignement, oui. L'homme est mettant des belles bagages, l'autre dit la vérité, il va le tendre. Pas gen Jean bon Dieu pas fait personne riche qui pas ni l'école ni apprendre métier ni faire commerce. Mais gen ket enseignement soit tande yo
son question miracle, miracle, miracle. Et tous ces miracles matériels à parler. Bah, ça c'est faux enseignement, oui. On y a l'eau passé où l'on l'église de pour te gagner 25 ans ou bien 20 ans. Yo dou bon Dieu pour faire miracle pour yo pas tenser yo pour aller l'école ni pour apprendre métier ni pour faire business. Là commence arrive à 40 45 50 ans. Vous réalisez ou pas déplacer côté hier. Sou ou pas chiter qu'on est bon Dieu Raymond. Parce qu'on bagaille yo met tant dedans on attente on bagaille on attendre. L'enfant qui moun pas connaît. Donc grand pile faux enseignement. Par exemple, et gen enseignement sur polygamie par exemple. Nèg ap marié avec 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes. Man, yo pour moi c'est bah normal. Bon, tout ces faux enseignements yo yé. Grand pile faux enseignement, l'en pile bagaille. Quand pile font enseignement, l'empile bagaille. Donc, Satan utilise doute. Donc, les utilise persécution. Les utilise faux enseignement. Ouais. Pas oublier que et bon Dieu les communique avec nous par sa parole révélée. Ça travers la parole les communique ensemble avec nous. Donc, c'est bon Dieu pas communique avec nous. Par sa notaire les des expériences mystiques. Non. Bon Dieu pas il pas communique avec nous par expérience mystique. Jean le monde a dit. Jean le monde fait en mitan yo. OK? Gan pile moun et qui édifier des systèmes de croyance sur des expériences que yo inventé. Yo même qui inventé bagaille là. Et puis, il y a un paquet de monde là-dedans. Et le fait qu'il y a cherché gens d'expérience, ça y là, ça ouvre la porte à sa influence et à la tromperie satanique. Donc, c'est ça qui vient arriver. La porte pour Satan influencer. Ou par là où tout le monde a parlé en langue, ou même pour se mettre d'amour tout. Ou tomber fou et bouchon là-dedans, ou parler tout. Bagay Satan nous tout a réglé. Bon, ça c'est le boutamment de. Et comment Zimbabwe a cette manière? Zimbabwe en dedans tout le temps. Oui. Bon, on ne va pas connaître parce que Zimbabwe a dans l'autre bagaille en langue. Donc, et ça que fait la Bible dit, c'est pour nous aspirer à des dons les plus importants. Tout don est utile, oui, mais il y a un qui est important. Et il est clair que si on parle en langue, pas n'y a pas d'interprété, ça dit qu'il n'y a pas de valeur. Parce qu'il dit que c'est vous-même seul qui édifiez. L'autre monde n'est pas édifié. Oui, la Bible est sur ça. Donc, si on parle en langue, tout le monde parle en langue. Tout le monde parle en langue. Finalement, la Bible dit comme ça, on a dit. Et si on parle en langue, même l'esprit qui ba mon nan don pou parler en anglais, il ba l'autre don pour interpréter ça mon abdia. Bon Dieu pas fait rien de façon mystérieuse. Il pas fait rien encore qu'un nuancé. Bon Dieu fait tout bail clair devant nous. Ou a parler en langue là même bon Dieu mettait don là en l'autre monde. Là nous dit bon Dieu met don dans l'autre monde. C'est pas un bagage comme si m'ta dit que mon nan t'ai besoin passer consécration. Non, bon Dieu bail don pour l'interpréter ça abdia. Parce que ils sont servants. Et Satan voulait faire nous toujours croire que nous pas besoin d'aide monde. Li utiliser l'autosuffisance qu'on est semblé tant qui frise internet là. Satan utiliser l'autosuffisance pour faire nous croire que nous pas besoin rien encore. Ça veut dire Satan il invite nous pour nous mettre confiance dans propre ressource non. C'est ça on a parlé de autosuffisance là. Pour nous mettre confiance dans propre ressource non. On pas besoin fatigué de bon Dieu. OK? Maintenant dans l'Ancien Testament
Satan t'a utilisé rue ça contre David. Dans 1 Chronique 21 verset 1 et 2, la Bible dit Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël. Depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-moi afin que je sache à combien il s'élève. En d'autres termes, ça son autosuffisance. Ça veut dire David voulait connaître sa force. C'est ça qui fait dire aïe compter peuple là. Pour me compter combien il y a. OK? Et vienne me rapport. David te voulait qu'on force lui. Et ça fait été demandé à conseiller militaire yo pour faire dénombrement des soldats. Pour compter grosse l'armée là. Mais monde qui dans la mer. Mais Dieu lui a dit qu'il avait péché gravement parce que sa force ne dépend pas du nombre de soldats. Voyez, force David pas dépend du nombre de soldats dont il est dispose ou bien dont il disposait. C'est pas quantité soldats David gagnait qui fait force David, mais de Dieu lui-même. Mais laisse Satan faire le compte soldat pour faire connaître ces soldats qui font la guerre. La guerre, bon Dieu, fâché. Parce que bon Dieu fait David connaître à moi, l'enfer ou l'enfer compte soldat ou compte grosse l'âme ou qu'on gagne. Mais songer, ce n'est pas l'âme, mais il faut gagner la bataille là. Il dit David, songer, ce n'est pas gros l'âme, mais qu'on gagne qui faut gagner la bataille là. Donc, où est Satan? Autosuffisance. Il y a des gens, Satan fait, qu'on est, ou pas besoin, ou sont des gens qui connaissent, ou pas besoin de demander conseil. Et je ne sais souvent dans le domaine, surtout la carrière haïtienne. Même si la chose la combat avec, il n'est pas fin de comprendre. Il est carré, il y a des gens qui conseillent pour aider, il n'est pas brûlé, il connaît. Jusqu'à ce qu'il fait un temps là-dedans. Autosuffisance, il y a des gens qui pensent qu'il est trop beau, trop belle. Donc, regardez, non, yo même yo pas besoin de moun aide yo, ni corriger yo, etc. Donc, au Psaume 147, verset 10 et 11, le psalmiste dit de l'Éternel que ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Donc le fait que David soit tombé dans le piège de Satan, et ça a eu de graves conséquences. Et nous avons vu ça arriver parce que bon Dieu t'a voyé jugement sous le peuple d'Israël là, et 70 000 personnes sont mortes en Israël à cause du péché David là. Ou à cause seulement soldat ou David a le compté, parce que bon Dieu est là que David. Oubliez. Bon Dieu connaît que nous, connaît motivation nous. Bon Dieu est là que David. David commence à sentir les grands nègres, les grands lamés, la marche bat moun. Exactement. Et puis l'Éternel dit, campé là. J'aime moi marcher contre les soldats. Gen l'on pense que c'est l'armée qu'on gagne qui faut gagner une bataille comme ça. Ah, faut nous veiller, quoi c'est ça? Yes. Eh bien, en pile fois, moun qui responsable nous yo gagne responsabilité directe parfois de vie physique et spirituelle non? C'est très important. Hein? C'est très important. Mais c'est David qui péchait. Parce que il était c'est son choix de gagner là pour punition. Oui, c'est David qui péchait. Mais bon Dieu montre David que et ça me va le faire là ou pas qu'empêcher me faire. Et comme si passait ou faire un bagage à Dieu
ou là et puis bah là bon Dieu pas même son frère et bon Dieu passé il prend pasteur Rémi prend il prend près Kemi il prend nous tout en cas. Non, c'est bon Dieu qui a fait. Non. On comprend ça 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 rien dire. Frère frère Kemel pas là, il sorti. Et on nous pendant nous en question ça question ce Ariane non. Allez là en Chronique chapitre 21 verset 1 et 2. Un jour, Satan mauvais sous peuple Israël là, li poussé David à le compter combien moun ki nan peuple Israël là. Wa parler ak Joab ensemble ak l'autre chef yo, li di yo comme ça. Allez dans toute branche famille Israël yo, depuis la ville Bethsheba nan sud jusqu'à la ville Dan nan nord. Compter dernier moun ki nan peuple là. Lè fini, fèm yon rapport pou m ka konnen combien de monde qui gagne dans le pays. Ok. Pas oublier, histoire ça rappelle nous que c'est Satan qui t'a tenté David. Son tentation y est. Et pas oublier l'inquiétude nous est là. On y a nous arrivé, on s'en est relé, nous sommes passés, non seulement nous sommes faux enseignement, on y a nous l'autosuffisance. C'est stratégie Satan a étudié. Qui premier bagage nous dans la stratégie? Doute, qui deuxième bagage? Persécution, qui troisième bagage? Faux enseignement, qui quatrième bagage? Moi, je dis non. Autosuffisance. Pas oublier, dans tout bagage, ça, yo, c'est la stratégie Satan nous y est. Sacrifié David là. C'est pour bagage qui fait au gré de lui-même. Mais c'est ennemi en même. Qui pousse le pour le faire. Et ça va mettre l'Éternel en colère. Qu'on y a pour me répondre à la question ça rien là. Le fait que Satan ait gagné sa relé jugement final qui est réservé pour lui pour l'aller parce que diable là c'est l'enfer qui est réservé pour lui. Ah mais si bon Dieu c'est David pour il t'a passé pour un vent. Qu'on y a nous t'a pas tourné question. Pour qui ça c'est David, bon Dieu? On nous dit si bon Dieu c'est David, des frappés direct. On a fait tourner question encore pour dire pour qui ça est David, bon Dieu frappé? On croit c'est Satan qui fait. On a même nous comprenons ça, Ariane. On croit c'est Satan qui pousse David pour le faire ça. Pour qui ça c'est pas Satan? Et mais on l'a qui fixé pour Satan. On l'a fixé pour Satan. Comme l'Éternel, c'est lui qui bat la vie. Et il doit prendre la vie, l'élevé. Donc, pendant la colère, il réagit. Et le peuple d'Israël paye les conséquences. Parce que Satan, il est réservé pour lui, pour aller dans l'enfer. Mais bon Dieu, il voulait montrer à David que l'autosuffisance n'est pas passée. Et c'est ça, Satan a commencé dans ce ciel-là. Et montrer un jour, là, il montre à Adam et Ève, il n'y a pas besoin de bon Dieu, ou même d'où, car bon Dieu tout, montrer ange. Yo pas besoin bon Dieu etc. C'est ça la marche fait même. C'est ça la marche fait. Donc on y a puisque David comme leader pas résister contre tentation ça. Eh bien le peuple Israël paye prière ensemble à David tout. Donc le peuple a tombé mort comme ça. David souffre de ça tout. Parce qu'il compte bien c'est l'Éternel qui a frappé. C'est l'Éternel qui a mis des mains sous eux comme ça. Et donc, où est que l'autosuffisance et fait David comprendre que il a une force, il est capable, il a une grosse armée. Et c'est ça qu'il faut que David puis devant Bindo. Et ce n'est pas l'en cheval, en Somme 147. Il dit que ce n'est pas l'en force, cheval, pas gros cheval, pas chat. A fait mon gain bataille là. Pas soldat qui a fait mon gain bataille là, mais c'est l'Éternel qui a fait mon gain bataille là. Donc c'est un bagage qui est très facile pour mon placer confiance ou dans bagage qui pas bon.
En pile fois nous placer confiance nous dans bagage qui pas bon et parfois en pile là nous dit et gen moun ki di yo kon la Bible pa kè, gen moun ki di yo maîtrise on série de principes importants, gen moun ki di non yo fait on série de études théologiques, gen moun ki di yo prêt pour affronter n'importe quel problème. Et maintenant 1 Corinthiens 10 verset 12, la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc n'importe monde qui pensait qu'au trop chrétien qu'on est tombé dans faire négligence. Gen moun nou parle dans l'école dominicale chrétien ou trop chrétien. Oui? Bagay école dimanche comme si bay pou ti moun li pa pou grand moun. Bagay étude biblique comme si m'ta doke déjà chrétien déjà li kon la parole. Dans 1 Corinthiens 10 verset 12 la Bible dit moun ki kwèl bien campé a faut le faire attention pour le pas tomber. Chrétien besoin toujours nourrir nanm li avec la parole de Dieu. Pas qu'à sortir de là. Ou obligé. Donc, votre vie de prière capable de disparaître complètement. Vos cultes capables de devenir superficiels. Parce que, une fois que vous avez une vie de prière, vous avez une vie de prière, vous avez une vie de jeûne, pas oublier jeûne dans des matins si Dieu veut, vous connaissez un appli, c'est vrai, même pas quoi si on a passé, mais vous avez l'appli. Si vous n'êtes pas en bas de l'eau, vous avez sorti, donc faire effort vivre dans jeûne. Donc, à 6 heures. Donc, si vous avez mené une vie de prière, vous commencez à mener une négligence, vous faites négligence. La disparaît le monde. Ou ap toujours penser aux chrétiens, mais en réalité, on sait que des bails qui glissent dans le monde doucement sont pas même sentis eux-mêmes. Ou pas nourrir encore. Donc, le Seigneur lui dit comme ça que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Il dit que le fort ne se glorifie pas de sa force. Il dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Jérémie 9, verset 23-24. Jérémie 9, verset 23-24. Donc, si vous voulez qu'il m'a allé en créole pour nous, allez, nous presque fini, dans 5 minutes là, on n'a pas obligé de camper. So, l'important, mes frères et sœurs, pour nous comprendre que nous avons vu que Satan nous tente par les doutes. Oui, Fakimia, vous mettez les bons noms. Puis, il y a des gens qui ont l'esprit et qui ont grandir. Est-ce que vous avez bon comprendre? Ni les gens qui vont en yo, est-ce que vous vont en? Ni les gens riches, est-ce que vous riches? Mais, si un monde voulait faire grandir, la faire grandir de ce qu'il connaît, de ce qu'il comprend moins. Parce que moi, j'ai un bon cœur. Moi, je fais ça qui doit être ça qui est correct sur la terre. C'est bagaille ça qui fait plaisir. C'est moi, Seigneur, qui dit ça. Tout en attendant la parole de Dieu, ou une pissage. De pour ne pas connaître la parole, et ou parlant étude, ou parlant rien, ou parlant, puis regardez non. Ou pensez aux chrétiens, mais quand pile bagay kap kite la vie, ou pas en combat, ou pas en bataille vraie. Donc pour nous finir, à souhait, nous voyons que Satan lui tente nous par les doutes, j'aime te dire non. Satan lui tente nous par les difficultés, ou bien soit par les persécutions, parce que Satan voulait la vie chrétienne, non, il veut la vie chrétienne même difficile. Satan les combattent nous par les faux enseignements, les combattent nous par l'autosuffisance. Et ça peut être fait nous demander comment nous devons réagir aux attaques de Satan. Comment nous devons réagir les Satan attaquer nous. Comment nous devons résister à toutes ces stratégies subtiles et complexes. Comment on a fait même pour nous résister en bas stratégie Satan. Et
Moi crois que on n'a qui merveilleux, on qui bon dans toute bagarre n'a dit là. C'est qu'on capable réagir à toute attaque Satan yo d'une façon unique et bien simple. La Bible parle lui, d'une façon unique et bien simple, on capable et réagir ou bien résister à toute attaque Satan yo. Réponse là c'est Éphésiens 6 verset 13. En revêtant toutes les armes, revêtant toutes les armes de Dieu. Donc, ça veut dire que il y en a pour comprendre, c'est pas chez à concentrer sur ce que le diable ou bien sur ça Satan fait. Je vais répéter encore. C'est pas concentrer sur ça Satan fait, mais c'est concentrer sur ça au doit faire ou même. Je vais répéter pour nous encore. Nous pas chez à concentrer nous sur ça Satan fait. Mais nous devons concentrer nous sur ça nous devons faire. Parce que ça l'a fait longtemps. Et moi, nous, de génération en génération, les là. Génération mourir, génération fait, moun mourir, moun fait, les là. Ça dit ça l'a fait qu'on aille bien. Ok? Tenter l'homme. Touiller l'homme. Mettez l'homme dans la confusion. Qu'on y a moins avant de concentrer qui ça nous devons faire nous-mêmes. Pour nous combattre ennemi ça. Donc, il importe peu que vous devez chercher qu'on exactement qui est et comment Satan établit chaque grain blanc qu'il gagne. C'est ça pour comprendre. De toute façon, et ne doit pas arriver à comprendre qui est et comment l'établit plan. Yo. Mais le seul bagaille pour comprendre, c'est que vous revêtiez vos âmes. Vous ne pouvez pas comprendre ni qui l'est, ni comment l'a établi le plan. Mais on grand une bagaille qui est important pour vous. Zame yo bon Dieu, bon la fa yo sou. Est-ce que nous avons dit chrétien? Ok? Quand tout le monde qui. Bon Dieu, bon, habilite ça pour qu'on ait qui l'est, qui côté, qui l'est là. Non, on ne peut pas besoin qu'on ça l'a réglé. Mais vous sort de faire forfait. Zame bon Dieu, bon la fa yo sou. On dit tout pour rester dans la prière, prier sans cesse, besoin de la prière. Rester dans la parole, rester dans l'étude biblique. Rester dedans, bon Dieu. C'est ça qui est important pour nous. Donc, après l'avoir fait, vous serez prêts pour le combat. Soumet Zam, bon Dieu, sous vous. Laissez avril, vous préparez pour la bataille. L'autre semaine, si Dieu veut, nous allons continuer avec étude là et nous disons bon Dieu merci pour chaque monde qui était participé dans étude là et qui était là avec nous à soir que bon Dieu capable bénir nous n'a demandé Jacques dimanche prier pour nous pour nous capable terminer demain si Dieu veut faire effort venir dans jeûne on sait jeûne nous faire une fois par mois donc les bon pour vous pour venir jeûner pour la gloire de Dieu. On a mis des mots pour nous prier. Fait important à soi, hein? Nous reconnaître rive diable et nous compte côté. Pour nous jouer une zame pour nous goûter avec elle. Amen. Saint, l'éternel des armées, bon Dieu et papa nous qui n'en sait lieu. À frère, nous t'es là, grand Dieu. Nous pas là en vain. Chaque important pour nous, à frère, nous connaît rive diable et nous connaît côté pour nous jouer une zame. Pour nous goûter avec elle. Nous connaissons toutes missiles pour nous goûter avec Diabla. Diabla relâché. Il fait papa contre petite, petite contre papa.
Madame contre Marie, Marie contre Madame. L'Ifère, Seigneur, nous avons bataille avec Diabla. Li connaît côté le teye qui j'en tape juif dans le ciel là. Li jaloux contre nous. Li pas vle nous rive. Mais au nom de Jésus de Nazareth, nous gagnons dans Éphésiens. Nous jouons amenant, Seigneur, pour nous ouvrir Bible nous, pour nous pratiquer les âmes pour nous couper tête Satan. Pour nous couper Poyetli, pour nous couper Pieli, oh Seigneur, pour nous goumer avec lui, victoire c'est pour nous. C'est pour nous dire au nom de Jésus de Nazareth, que le sang de Jésus est versé sous les bras du calvaire, pour nous gagner bataille sans apmener. Oh Seigneur, ou capable. Et vous avez bon, nous victoire. Bataille, Satan a boum avec nous. Maladie. Toutes sortes de âmes l'a fait vie aveugle. Puis goum avec nous. Mais bon Dieu dit, ça qu'avec nous, hein, plus fort, parce que ça qu'avec nous. Et nous pourrons le séparer, papa. Avec nous. Nous va dormir en paix. Vous dites, 10 000 va tomber à gauche, nous. 10 000 va tomber à droite, nous. 10 000 à sous-côté. Victoire, c'est pour nous. Merci, Seigneur. Merci, papa. Nous prenons en paix. Nous va retourner pour nous venir prier demain, si Dieu veut, à 6 heures. Pour nous capables.